Ce jeudi 1er juin, Frédéric Mitterrand était l'invité de Jordan Deluxe dans l'émission Chez Jordan. Pendant leur échange, l'ancien ministre de la Culture est revenu sur sa bataille contre le cancer. Le 14 avril dernier, Frédéric Mitterrand a annoncé être atteint d'une terrible maladie sur le plateau de l'heure des pros animé par Pascal Praud. S'il n'avait pas vraiment révélé de quoi il souffrait, son parallèle avec Florent Pagny n'avait pas réellement laissé de place au doute. Ce jeudi 1er juin, il a accepté de revenir sur cette annonce qu'il a faite il y a plusieurs semaines dans l'émission Chez Jordan présentée par Jordan Deluxe, révélant ainsi souffrir d'un cancer. Je suis très frappé de voir que beaucoup de gens courageux, plus courageux que moi sans doute, n'hésitent pas à mener un véritable combat à ce sujet pour dédramatiser, a-t-il tout d'abord commencé. Je ne sais pas si je vais bien ou pas, Frédéric Mitterrand se confie à propos de son cancer. Frédéric Mitterrand a découvert qu'il était atteint d'un cancer après plusieurs examens, mais il n'est toutefois pas entré davantage dans les détails. Jordan Deluxe lui a alors demandé comme il allait ses derniers jours. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas si je vais bien ou pas parce que le problème avec cette maladie, c'est qu'on ne sait jamais très bien où on en est. Sauf quand on est dans un moment très très grave où là, on sent bien que plus rien ne marche, mais entre deux traitements, ça va, a-t-il affirmé. Je ne veux pas que la maladie soit un stigmate trop évident, Frédéric Mitterrand explique pourquoi il décide d'apparaître systématiquement avec une casquette. L'ancien homme politique a choisi d'apparaître systématiquement avec une casquette depuis l'annonce de son cancer pour ne pas laisser transparaître les signes de la maladie. Je comprends très bien tel ou tel qui n'hésite pas à montrer les difficultés que lui pose la maladie sur le plan physique, chacun réagit comme il peut ou comme il veut. Je ne porte pas de jugement du tout. Mais personnellement, je n'ai pas envie. Je ne veux pas que la maladie soit un stigmate trop évident, a-t-il expliqué avec honnêteté. D'ailleurs, selon lui, la perte de ses cheveux est l'une des conséquences les plus difficiles de son traitement, c'est embêtant. Pour tous les gens qui sont atteints par cette maladie, c'est une des étapes les plus dures de perdre ses cheveux. Frédéric Mitterrand a ensuite conclu en déclarant qu'il n'avait pas peur face à la maladie.